Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl. On joue dans la Stagiaire Trophy. On va affronter Taktamo aujourd'hui, qui joue du Nurgle. De la bonne grosse saloperie de Nurgle. On avait vraiment que des méchants dans cette poule. Il a heureusement eu pas trop de niveaux. Quelques-uns quand même, hein. Ici on a un pourri lutte de tête de l'enfer. Mais il a pris qu'un bloc sur un guerrier de Nurgle et un ramassage sur un pourri, donc ça va, on n'est pas trop dans le mal. On va affronter de la répulsion, ça risque d'être relou, ça peut seulement mettre à mal nos intrépidités. Donc on verra comment ça se présentera vis-à-vis des blocs contre les guerriers de Nurgle. Il a 3 relances, 3 de popularité. De notre côté, on a toujours les Braids, notre petite équipe de Bretoniens. On a 3 relances, 3 de popularité. On a pris Plongeon sur Chobiti pour essayer d'aller avec réception et aider les passes. Et on a pris bloc sur Violocarius, histoire d'en faire un pilier de la communauté. Et on a une petite enveloppe, alors pas grand-chose. Pas assez pour prendre un sorcier, un pot de vin pourrait être intéressant. Un pot de vin pourrait être très intéressant, je pense qu'on va prendre un pot de vin, prendre 10K sur notre... sur notre porte-monnaie, qui est assez conséquent hein, vu les péons qu'on a rachetés. Et on va prendre un petit pot de vin, essayer d'écraser. On a 12 mecs, donc il faut qu'on arrive à lui sortir ses chefs, ses pourris. Essayer de faire en sorte qu'il puisse plus jouer la balle. On va donc partir sur un match un peu violent si on peut. En sachant qu'il faut déjà qu'on arrive à faire tomber des gens, hein. Ce qui ne sera pas forcément aisé. Alors, que donne le toss? Donc il faut qu'on gagne ce match. Dans l'idéal, avec une bonne marge, pour qu'on puisse repasser bien placé dans les comment dans la coupe, et on peut prendre la première place. On peut prendre la première place. On a 7 points. Si on le premier a 10 points, il a déjà joué son match. C'est Kaiser, celui avec lequel on avait fait notre premier match. Et comme on a un très bon différentiel de TD sur cette saison pour l'instant, et ben on a des possibilités. Alors, on est donc en défense. On va bien sûr pas trop lui filer de mecs à bouffer. Il va falloir qu'on rende ses blitz assez compliqués sur nos mecs. Le gars avec esquive va rester devant. Le mec avec ramassage un peu derrière. Allô? Ah, petit lag. Donc oui, Taktamo est connu pour avoir une connexion relativement compliquée, on va dire. Voilà, on va essayer peut-être de mettre... Ah merde, il a été carrément déconnecté. Bon, on va attendre un peu. Je vais lui parler. Voir si il a été... déco durablement ou pas. Ok, c'est bon, il est revenu. Alors du coup, le mec avec bloc, on va pas le foutre devant, ça me paraît pas utile, il va se prendre un 3D. Par contre, on va le mettre un peu en protection. On va mettre notre blitzer pas expérimenté là. Hop, on va mettre les deux un peu plus efficaces par là. Et vous allez empêcher les supports trop faciles de ce côté-là. Ok, donc on a 3 mecs devant, on les empêche de mettre trop facilement 3D, on protège. Ça me paraît pas trop mal. À lui de se placer. Alors même si on parle à côté sur Discord, on va envoyer un petit bon match, hein, parce qu'il faut. Bon, il va pas avoir de mal à avoir 2D, hein, avec des guerriers du chaos, on peut difficilement l'en empêcher. Mais l'idée de cette défense est de l'empêcher de mettre trop facilement des renforts pour atteindre les 3D.
Donc le pourri qui ramasse et puis qui peut-être fait une transmission dans la foulée au Pestigore. Ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à assez bien étaler notre XP, donc du coup on n'a pas de joueur vraiment phare quoi. Si on en perd un, c'est pas dramatique. Alors, bah écoutez, on va botter au centre, hein. Pas prendre de risques. Et on gagne une relance pour la mi-temps. Ah, c'est cool. Et par contre, la balle sort. Ça, c'est moins cool. Donc il va l'avoir dans les mains directes. D'accord, il le donne à sa bête. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, ça peut partir en sucette, hein, parce qu'avec gros débile, elle peut très bien rester bloquée pendant un bon moment. Par contre, faut qu'il se méfie parce qu'avec intrépidité, on a tout à fait moyen de la taper à 2D très simplement. Hein. Enfin, très simplement. Très simplement, mais on a moyen. Alors, une première armure qui tient de gros trails. Un deuxième pot, ok, très bien. Et donc là, il va avoir ses dés du coup. Est-ce qu'il blitz pour avancer? Est-ce qu'il se contente de taper? Il se contente de taper, il fait un pot. Bon bah, trois pots sur les trois premiers blocs. Et un chaos sur Madness le simple, et bien très très bien. La châtaigne qui fait le taf, hein, toujours. Sur un set d'armure. Alors ensuite. Ok, il va mettre quelques petits piliers pour protéger la bête quand même un peu. Ça se tient. Le zombie à deux têtes. Alors le pourri à deux têtes qui est très très classe, il a sa tête, sa deuxième tête sur le bide. J'aime assez le design. On montrera ça dès qu'il aura arrêté de bouger. C'est un pourri normal. Un espèce de vente dégueulasse là, de Nurgle. Et le deux têtes a carrément. Ça a explosé, il y a une tête qui est sortie de son ventre quoi. C'est super. C'est très très Nurgle. Vraiment très très Nurgle. Un pourri alien quoi. Ah bon, il protège sa bête, normal. On n'est pas forcément dans l'optique de contre-attaquer, hein. On peut tout à fait jouer sur le fait que sa bête va rester bloquée là un moment s'il rate ses jets. Lui de son côté va mettre des gros packs autour pour essayer de faire en sorte qu'elle soit jamais toute seule. Bon, tous ses pots passent. Ah, une armure. Ok, c'est une sonnette, ça va. Très bien. Alors on va relever la fine équipe devant. Alors la question étant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'on prenne un blitz au moins sur lui. Ah, il dit qu'il veut essayer une bombe avec la bête. C'est vrai qu'une bombe réussie, ça rapporte des points dans cette coupe, hein, donc ça peut être intéressant. Alors soit je blitz là, soit je tape directement là, on va taper là. Ah, il a lutte, dommage. On va l'envoyer par ici. Dommage, dommage. On va reculer un petit peu.
On va se concentrer pour l'instant sur les pourris, hein. Hop, on va ouvrir un petit peu le centre parce que j'ai pas envie d'être complètement... d'être trop, comment dire, concentré et qu'il puisse me cerner facilement. Juste mettre le petit péon là au milieu pour protéger. Ici, il va falloir quand même qu'il amène du monde s'il veut taper. Il a deux blocs, hein, mais ça va lui prendre un petit peu de temps. Il y a toujours le cadavre de Gentil Gilid au milieu du chemin. Donc s'il fait ce qu'il m'a effectivement dit, ça veut dire infiltrer un Pestigore probablement, ou un pourri, enfin un truc à 3 d'AG quoi, et tenter une bombe avec la bête. Donc s'il fait ça, il est clairement, il s'amuse quoi. En mode je m'amuse. Hein. Ok, premier bloc qui ne réussit pas, ça c'est cool. Ok, il part que celui-là. Il vient foutre un petit peu la merde avec ses pourris. Ok, ça repop. Ici, il va falloir qu'il amène du renfort s'il veut taper à 2D. Ou qu'il blitz avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas qu'il fasse un truc. S'ils veulent tenter une bombe avec la bête, ça veut dire protéger la bête là et réussir à infiltrer des gens en les protégeant aussi. Donc ça va lui demander du monde. Hein. Ça peut être fun, mais ça va lui demander du monde. Allez, un petit gros débile là. Non, ça passe. La bête avance. Il peut avoir du mal à ramener des gens pour nous marquer là. Donc on a moyen de terminer avec au moins un des deux ici libres. Ce qui peut nous permettre de nous pointer en force par là. C'est-à-dire là, il se place bien. Là, je peux plus ramener de soutien ici, vu qu'il a mis là lui. Donc je vais être obligé de taper un dé si je veux taper un dé. Ici, pareil, ça va être compliqué de ramener du renfort. Il est éventuellement là. Ah, une déco. Après, Adela contre un pourri qui a pas répulsion, qui a pas bloc, qui a rien, ça se vaut. Hein. Ça se vaut carrément. Et il risque d'y avoir de temps en temps des décos comme ça. Avec Tactamo, malheureusement, sa connexion est assez compliquée, on va dire. Bon, il lui reste quoi? Il lui reste lui qui l'a pas relevé. Donc peut-être qu'il envisage d'esquiver avec sa deux têtes. Ici il peut taper, mais faut qu'il ramène au moins soit un renfort, soit annuler le support. Et en fait c'est marrant hein, parce que il est toujours connecté sur Discord en fait, mais et là il en est à relancer Blood Bowl parce qu'il s'est fait jeter du match quoi. Donc je sais pas, peut-être que Blood Bowl a besoin d'une très faible latence ou... Ça m'étonnerait pas de Cyanide d'avoir fait un truc un peu... comment dire... Sensible, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il va amener son guerrier, il a assez de mouvement. Ah, il peut pas l'amener loin, faut qu'il protège, bah, probablement avec le Pestigore du coup un peu sur le côté là. Que bon, sur une esquive on peut tenter des choses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pouf. Avec un GFI on peut... et une intrépidité qui passe, et une répulsion qui passe,
Ça va, rien que 3 jets, plus une esquive, 4 jets. On peut réussir à faire un blitz à un dé sur la bête de Nurgle. Ça se tente. Mais je pense qu'il va protéger. Là, un petit pestigore ici, et puis c'est bon. Mine de rien, c'est vrai qu'on est loin là. On a lui qui est libre, qui peut genre aller se mettre par là pour foutre la merde. Là, on peut taper à un dé dessus, hein. Je ne m'abuse. Pour l'instant, en tout cas. Un dé avec bloc sur un guerrier du chaos, ça se prend. Hein. Avec un péon là. Ça se prend carrément même. Zidane le retour. Donc on l'a vu jouer, hein, Tactamo, dans les replays que j'ai fait. Il fait assez peu d'erreurs. Hein. C'est quand même un joueur qui a plutôt de l'expérience. Mais là, faut avouer, l'idée de la bombe avec la bête, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est chaud avec un tagé, pas de problème. Arc, la bombe. Je sais pas si c'est pas la force qui joue aussi sur une bombe. Ah, ça y est, il est revenu. Ah non, bah, là on revoit son pourri bouger, ok. Donc oui, voilà, il protège tranquillement. Ferme au Pestigore, ferme pas au Pestigore. Je pense que là, il faudrait fermer, puis ramener un autre en anti-support pour pouvoir faire son bloc. Marquer cela, sauf s'il tente une esquive de la mort, enfin une esquive de la mort. Ça reste, non, ça reste une esquive avec une 2 têtes sur un 3 d'AG, c'est tout à fait faisable. Ok, là il ferme comme prévu. Et là un anti-support, un support là. Comment tu gères ça? Ou tu restes ici? Une mise de paquet carrément? Ouais, c'est peut-être un petit peu osé. Il a pas blitz encore, hein, donc ouais, c'est vrai qu'il peut complètement blitz un et taper l'autre. Ça se fait tout à fait. Par contre, faut jouer. Alors, à première vue, je ne vois pas trop ce qu'il ralentit sur cette action, mais il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Il doit avoir un plan dans sa tête, en fait, et peut-être qu'il veut ouvrir un trou pour aller m'empêcher de revenir, je sais pas. Ce qui me paraît tendu avec les cadavres sur le chemin. Ou venir se placer là, enfin, je sais pas trop ce qu'il prévoit, mais visiblement, il y a quelque chose dans sa tête, en tout cas. Ok, donc finalement, il amène un support là, il va taper sur celui-ci. Et ça ne donne rien. Il peut prendre les deux au sol, hein. Sur un 9 d'armure vs 7, ça se vaut. Mais du coup, il me libère un joueur de plus. Ok, très très bien ça. Parfait, alors si je vais ici, j'ai pas de GFI donc je vais y aller. On va aller au contact de la cage avec les péons. Hein. Hop, ici on va se relever. Ici on va aller par là-bas. Alors lui est un peu dangereux, donc je pense que je vais utiliser le mec qui est libre pour aller rapporter un support et essayer de taper dessus. Parce que lui, ce serait tout à fait celui qui pourrait s'échapper en esquivant avec sa deux têtes et recevoir la bombe. Il m'a peut-être dit ça totalement pour me tromper, hein. C'est aussi tout à fait possible. Donc du coup, comment on va jouer ça? Ici je taperai un dé, c'est pas ouf. Ouais, si, il faudrait que je tape à un dé là pour aller me coller à la bête, annuler le support, taper à deux dé là, me rapprocher encore de la bête. Ce qui veut dire que là, il faudrait qu'on aille défendre. Ouais. Sachant que si je fais ça, j'ouvre. Bah, c'est faible ici, c'est un peu assez faible là, donc je vais me mettre une case derrière. Voilà.
Voilà, un truc comme ça. Il fera probablement pas de bombe sur le guerrier de Neufel. Enfin, s'il en fait, ça passera pas. Donc. Ok, le pot. Hop. On poursuit, on n'a pas peur. Une armure qui passe. Un KO. Ok, parfait, ça c'est cool. Voilà. Donc on colle de l'intrépidité à la bête. Ici, on a 2 dés. On y va. Ça passe. On va le repousser par ici pour qu'il soit pas trop libre. On poursuit. Et donc ici, on a un bloc à faire sur ce monsieur. Ouais, on va relancer. Il a lutte, mais s'il le prend pas, j'ai 7 d'armure et 8, ça peut être tendu, quoi. Voilà. Donc là, même s'il se relève, il ira pas loin. Son Pestigore est loin pour faire le tour. Lui aussi, et c'est compliqué. Donc il va galérer s'il veut se recentrer par là. Et on a des intrépidités collées à la bête. S'il fait un turnover, on peut réussir des trucs. Il nous a sorti un péon, lui a sorti un pourri, c'est valable. Je rappelle qu'on a toujours une corruption, hein. Faut qu'on essaie de s'en servir. Typiquement là, ça pourrait être rentable. Bon, ça voudra dire éventuellement emmener des gens, donc c'est pas forcément ouf, mais ça pourrait être rentable. Écraser, sortir son pourri niveau 3. C'est quand même un joueur un peu star de son équipe. Ah, là il a bloc. Le seul guerrier de Nurgle qui a bloc. C'est bien joué. Donc là, s'il veut avoir 2 dés, faut qu'il blitz avec ses Pestigores. Eux sont un chouïa trop loin. Il y a beaucoup trop de monde dans la mêlée, ça passera pas. Là, s'il veut blitzer. Oh non, ok, il se déplace juste, très bien. Ok, il blitz là. Il va faire un petit trou. Sa peau. Attention, Chobiti qui prend un pot. Et ça tient. Ok. Et du coup, Malice se retrouve un peu seul. Pouvoir faire un petit bloc là. Ah, qui marche pas. Est-ce qu'il relance? Il relance. Et sa peau. Et ben, double peau. Attention à l'armure. Non, qu'est-ce qui se passe? Il déco. Ok, non, c'est bon. Je savais pas trop s'il poursuivait ou pas. La bête est libre, mais elle va pas aller loin. Et ces deux mecs, potentiellement pour réceptionner une balle, sont pris, enfin ont déjà joué. Par contre, il a toujours pas relevé celui-là, je sais pas ce qu'il attend. Ah, dommage, ça tombe. Ok, l'armure tient. On va pouvoir se coller à lui là. Pour piétiner sa tronche. Non, il tente une esquive. Ce serait bien qu'il rate. Ce qui va 2 plus, hein, c'est assez peu probable. Les deux têtes qui font le taf, donc du coup on ne pourra pas le piétiner, c'est bien dommage. Du coup on va peut-être revenir plus tôt dans la mêlée, peut-être lui laisser un ou deux mecs pour s'occuper, mais. Donc il lui reste plus que la bête, mais je pense pas qu'il va la jouer, ouais, non, voilà. Ok, ici on relève le péon. Ici on va se relever et aller mettre un peu de force. Est-ce que je les relève? C'est la question. Si j'annule, là j'ai un blitz à 1 dé, enfin c'est intrépidité proc. Hein. Intrépidité, c'est combien? Intrépidité 3 plus contre un 5 de force. Ça peut se valoir, ça peut complètement se valoir. Ici, est-ce que je me colle à lui? Oh, il a 4 de mouvement, il ira pas loin, 5 de mouvement. On aura largement le temps de revenir l'emmerder si jamais on voit qu'il avance.
On va aller par ici. Ici, on n'a pas de bloc bien intéressant. On a un dé là. Un dé là. Contre un, ouais. Ça... C'est tendu, mais ça peut se valoir. Bon, on va déjà faire ça. Ici, du coup, je pense quand même se décaler un peu. De cette manière. Hop. Voilà, maintenant qu'on a ramené quelqu'un ici. Et là, on va tenter. Répulsion, intrépidité. On peut réussir un bloc sympa. Non. Parfait, un pot sur la bête, c'est cool. On poursuit. Du coup, on va essayer de prendre ce bloc là de haut sol. Oh, et KO pour le guerrier, ça c'est très rentable et nous on est sonné. Très bien. Très bien. Ça c'est un gros coup de cul, hein, parce que les deux au sol avec contre un 7 d'armure contre 9 d'armure, c'était tendu, mais c'était vraiment pour qu'il ait moins de blocs à faire. Là s'il tombait, moi je voulais juste qu'il tombe, hein, et que du coup il puisse pas bloquer là, et que son mec soit obligé de se relever et de faire des jets éventuellement. C'était mon seul objectif sur ce truc là. Quitte à sacrifier gentil Gilead, hein, je l'assume. Donc la balle est au sol. C'était un bloc où on pouvait pas ramasser la balle. J'en ai tout à fait conscience. Mais après tout, je sais même pas s'il veut réellement faire une bombe. Hein. Il m'a peut-être dit ça uniquement pour me perturber et que je joue un peu bizarrement dans l'optique de le gérer. Mais taper sur la bête, c'est quand même intéressant. On peut très bien rester au sol pendant un moment après et tout. Bon là, Malice le Bon est un peu... voilà. Dans le mal, mais il résiste avec son esquive, très bien. Et il a pas grand monde avec de l'agilité pour ramasser la balle, hein, cela dit, parce que ici ils sont tous pris. Ça c'est 2 d'AG, il est pas disponible non plus, il peut essayer de taper là, mais ça va pas être facile non plus de dégager du monde pour ramasser la balle de son côté. Ok, ici ça ne donne rien. Donc il va pouvoir tenter un bloc là, ah non il a libéré son pourri avec dextérité, donc son pourri avec dextérité peut aller ramasser la balle. Je pensais qu'il avait libéré son Pestigore, mais oui c'est vrai qu'il y a lui qui a sa comp, donc Ah mais il n'y va pas. D'accord, il n'y va pas, il est pas pressé apparemment. Attends, hein, on est tour 4, hein. Effectivement pas pressé. Peut-être qu'il veut essayer d'égaliser un peu les chances avec... avec son guerrier du chaos qui est sorti. Ok, j'ai cru qu'il avait été de nouveau déco, mais ça va, c'était un petit lag. Ah non, dommage. Aïe aïe aïe. Ah, c'est la douloureuse aujourd'hui, dis donc. Bon là, qu'est-ce qu'il va faire? Probablement taper à 2 dés là et taper à 2 dés là, ça me paraît le plus rentable. À moins qu'il veuille libérer peut-être son guerrier pour se mettre plutôt par là et protéger mieux la balle. Quelqu'un est après ici. Il n'a pas blitzé, hein. C'est pas la première fois qu'il blitze pas. Ah mais il lui reste lui aussi qui est disponible, qui peut faire des choses. Qui a pas joué encore. Lui il a bougé. Bah, il est en train de chercher s'il n'y a pas quelque chose qui pompe la connexion parce que apparemment c'est quand même particulièrement merdique aujourd'hui. Malédiction des paysans, ça.
Ah, en plus, quand je les sélectionne là, et comme c'est planté, ils font même pas leur petit cri de paysan insupportable. Regardez-moi cette infection. Bleu. Faut absolument qu'on les écrase. On peut pas les laisser. On peut pas les laisser en vie, ces trucs. Un lui, il a qu'un œil, quoi. Non, mais l'autre, mais franchement, l'autre avec sa tête, franchement, cette mutation, elle est vraiment énorme, quoi. C'est tellement. Bleu. Je me demande ça donne quoi un deux têtes sur un guerrier de Nurgle du coup. Ou sur la bête, hein. Deux têtes sur la bête, oh la vache. Ça donne presque envie de faire des faux matchs juste pour le plaisir de voir les XP quoi. Et c'est marrant parce que c'est vrai que les gens qui ont des mutations, très souvent, Skaven et compagnie, ils prennent des griffes et un du chaos, machin. Mais les Nurgles prennent très rarement des griffes en fait. Pourtant, ils ont accès assez facilement aux mutations eux aussi, hein. Ok, donc ils bloquent là le double crâne, ils relancent. Et ça ne passe pas. Malice qui tient toujours la ligne. Il poursuit pour qu'on s'éloigne de la balle, normal. On a une opportunité là, pour l'instant. Ah, il blitz ici, d'accord. Pourquoi faire? Il repousse. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, pour avoir 2D, peut-être. Il avait pas su, il veut avoir 2D largement. Ah, il veut tenter l'esquive. Ah, l'esquive qui rate. Il voulait tenter de ramasser avec son Pestigore. D'accord, bah ça se valait, franchement. Nous, on va aller. Se foutre dans les pattes là comme un connard avec notre paysan. Du coup. Ici on pourrait avoir un bloc. Est-ce qu'on peut voler cette balle? On pourrait essayer de faire contourner là, mais c'est quand même assez loin. On pourrait tenter ici un bloc à 2D. Ce qui nous permettrait éventuellement de blitzer lui de manière un peu plus intéressante. Il dit qu'il ose pas ramasser avec la bête, je peux le comprendre. Ouais, on va tenter ce bloc-là. Parfait. Du coup, on va repousser carrément le cadavre sur la balle. Voir si sur un rebond favorable ça le fait. J'ai cru que la bête allait ramasser quoi. Oh la vache. Ok, donc c'est pas ouf. Hein. C'est clairement pas ouf. Il faudrait qu'on amène du renfort là, ce qui nous mettrait une zone de tac sur la balle, c'est pas déconnant. Bon déjà. Non merde, j'allais bouger avec lui, mais non, il y a une esquive là. Donc là on a un bloc à 2D avec bloc, on va le prendre. Ça coûte pas cher et ça nous permettra de déjà de neutraliser un peu de monde là, voilà, avec un péon. On peut venir mettre un peu de pression derrière comme ça. Et donc du coup après l'objectif ça serait quoi? Blitz un dé là-dessus. On repousse sur la balle, on essaie de ramasser avec lui si ça tombe bien. Ouais, on va tenter ça, allez. Ok, on repousse sur la balle, on poursuit. Non, on lance pas ça, non, c'est bon. Ok, c'est pas si mal. Du coup, on protège. Et un ramassage à 4+. Je suis con, j'aurais dû essayer de ramasser avec lui. Quel débile. Ouais, c'est très con là, j'ai merdé. Ben tant pis. On va tenter un ramassage à 4+, ça peut passer, hein. Regardez, ouais, c'est pas beau ça.
On a la balle, on est bien entouré, il va peut-être galérer à nous la prendre. Alors on va pas essayer d'esquiver pour se barrer, hein, parce que la bête est libre, ce pestigore est libre, c'est encore trop risqué. Mais on est quand même plutôt bien protégé là. Là, on est plutôt bien mis pour annuler tous les supports. Là, il va falloir qu'il annule ce support-là avec lui. Enfin, il va falloir qu'il utilise des joueurs pour gagner ses 2 dés. Et ça, c'est plutôt cool. Je m'excuse d'avance à ceux qui hurleront en voyant bouger ce mec pour ne pas les ramasser avec sa dextérité. Je suis désolé. J'ai dû appuyer sur un bouton parce que mes compétences ne s'affichent plus. Voilà. Ok, ça repousse. Donc ça fait, ça suffit normalement. Je pense qu'il va me mettre loin. Voilà. Tout ce qu'il voulait, c'était enlever les anti-supports. Donc là, il va avoir un dé là. Un dé de. Pourquoi lui ne l'a pas. Ah oui, non, pardon, il y a lui qui était annulé. Oui, je me disais lui devait lui donner un de force négatif, mais non, pardon. Bon, pour l'instant, on tombe pas, c'est plutôt cool. Il n'a pas de possibilité de blitzer sur le truc. Il peut blitzer avec son Pestigore, ok, avec 2 dés, mais il y a un GFI. Blitzer avec la bête, sinon, hein. Ça reste une possibilité pas déconnante de foutre des tentacules dans les pattes de Papillote. Papillote qui est le seul à ne pas avoir encore de niveau, donc. S'il arrive à marquer en quoi? En 4 tours, c'est possible. En 4 tours, il peut réussir des trucs. Ouais, ça s'est tendu par contre, ça. Avec le 2 têtes encore, mais là, avec celui-là, c'est quand même tendu. Alors. Du coup, il blitz pas avec lui, il se contente de venir mettre de la force, ok. Il va faire ce bloc, il va sûrement tenter de blitzer avec la. Ah, soit au pourri, vu qu'il y a un 2 dés là, soit avec la bête directement. Blitz à la bête, ouais, c'est intéressant. Ça repousse, il va pas pouvoir poursuivre, c'est parfait. Enfin, remarque qu'il a pas de zone de tag, donc il va quand même pouvoir avancer normalement. Ouais, voilà. Bon. L'objectif, ça serait un blitz par là, je pense, pour repousser la bête. Alors avec qui? Là, il y aurait un GFI. On tape là, on libère peut-être. On va les mettre gentil Jilid dans la pâtée. Voilà, on va les forcer un peu à annuler les supports, enfin à faire des blocs ici en cas de besoin. Là, il a mis lui pour éviter que j'aille derrière, hein. C'est très judicieux de sa part. Du coup, ici, on aurait 2 dés avec intrépidité, ou alors là, mais un dé contre bloc, c'est quand même de la merde. Sinon, il faudra que j'amène quelqu'un ici, c'est tendu. Ici, ah, j'ai pas de GFI ici. Ouais, on peut faire ça. Comme ça, je repousse, je dégage la bête, et je peux me barrer. Ouais, ça me paraît pas mal ça. On va faire ça. Elle a pas stabilité la bête, hein, donc. Ok, il tombe en plus. On l'envoie là-dessus. La bête, on l'envoie là. On va poursuivre pour continuer de foutre un peu la merde. Voilà. Donc ici, du coup, pareil, on tape pour enlever l'autre zone de tacle. Hop là. Ensuite, on se barre par ici.
Donc là, on a Grosslan qui va tanker la bête. Hein. Pas de pitié, pas de pitié pour les péons. On va essayer de venir par ici pour protéger un peu. Ici, je vais tenter ce bloc. Si l'intrépidité passe, ça nous permet d'avoir 2 dés, c'est intéressant. Et si ça passe pas, il y a toujours Azurim le beau qui est là pour protéger. On poursuit. J'ai pas moyen malheureusement de mettre 2 dés sur ce pourri là. Alors ici, qu'est-ce qu'il pourrait tenter? Une esquive ici, ou taper et puis avancer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais non c'est de la merde. Ici il va pouvoir taper à 2 dés là, blitzer, arriver sur la balle. Donc on voudrait se mettre par exemple ici. Ici c'est compliqué pour lui, ici il pourrait dégager ça là, il y a lui qui est là toujours. Ouais. S'il tape là, il a toujours il a toujours une zone de tac là, on va se mettre là. Voilà, comme ça c'est pas mal. Lui il empêche un peu qu'on vienne par derrière. Ici il a pas assez de mouvement sur ce côté là du terrain. Là il peut taper ici, faire un trou, mais il y a lui qui protège. Taper ici, faire un trou, mais il y a lui qui protège plus ou moins. Tout le monde est marqué, donc il va falloir qu'il fasse des jets pour essayer d'amener des supports s'il veut essayer de tomber de ce côté-là. Ça me plaît bien. Le Pestigore qui arrive à faire tomber Grosslan, qui résiste quand même. Là il pouvait, s'il voulait, blitzer ce Grosslan dehors, mais ça voulait dire utiliser son blitz sur un péon. C'était quand même compliqué. Alors ici, est-ce qu'il vient en support ou pas? Ah, le gros débile qui a plopé. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est parfait. La bête qui reste coincée dans son coin là. On va pouvoir s'envoler. Ici, Chobiti qui résiste. J'imagine qu'il va m'envoyer là, loin de l'action. Peut-être pas me poursuivre, ouais, il veut rester disponible. Ok, il blitz cela. Ça tombe. Mais il va perdre des cases en me repoussant, mais il devrait pouvoir aller se coller à la balle. Ah, une sonnette, ok. Ok, donc il va pas se coller à la balle directement, il va fermer un peu sur ce côté-là, ça me dérange pas plus que ça pour l'instant. Il se colle à la balle avec lui. Ouais, notre réceptionneur est à l'ouest. Ici ça tombe pas, c'est cool. Mais il s'est quand même libéré beaucoup de joueurs. Va falloir qu'on essaye de neutraliser ça quoi. Là il tente un bloc à un dé. Pourri contre péon. C'est rentable hein, si jamais les deux sont au sol, il a 8 d'armure, j'ai 7. Non, il a été refroidi par le mec à 9 d'armure qui est tombé face à mon péon. Ok, donc ici on a qu'un dé, ici on n'aurait qu'un dé avec intrépidité, c'est un peu de la merde. Donc ici on va commencer par ce bloc là. Ouais, on prend. Histoire de libérer lui. L'amener par là. Hop, ensuite on va emmener par lui par ici. Là, est-ce qu'on a suffisamment de mouvement pour aller là? Oui, on y va. Parfait, donc ensuite, le bloc important, techniquement, il faudrait qu'on fasse un bloc là, ensuite qu'on blitz ici à 2 dés et qu'on se taille. On va donc le faire. Ok, ça repousse, c'est pas grave. On poursuit. Donc les zones de tacle, si on blitz cela, on peut se tirer. On le pousse par là et on se tire. On va tenter. Ah putain, j'aurais dû rester, j'ai qu'un dé du coup. Merde. Changement de plan, on va taper celui-là d'abord.
Parfait. On poursuit pour aller marquer la foule. Ouais, j'ai un peu déconné. Hein. Je l'accorde, j'aurais pas dû poursuivre parce que du coup je me retrouve à un seul dé. Voilà, on blitz ici. Ça tombe, parfait. Là il fallait que ça tombe, mais pas le choix. On le pousse là, bien sûr, on poursuit. Oh, pourrigicide qui décède. Ah là là, puis c'est son... Ah, en plus il prend mort et coup brisé. C'est son joueur star en plus. Et on essaie d'aller se tirer. Bon, on n'est pas en hyper en sécurité, hein, mais on est quand même assez loin de ces gens. On n'a pas claqué notre relance, il nous en reste deux. On peut tenter des GFI. Ok, parfait. Et ici, bien sûr, on tente pas ce bloc, hein, il faut qu'on le marque, lui. J'avoue, buter son joueur star, c'est... un peu la tristesse, j'ai pas d'autres mots, j'avais pas du tout prévu. Ah, puis sa grosse bête, ça y est, elle a été blasée de pas ramasser la balle, là, de perdre la balle, elle veut plus rien faire. Donc là, il est quand même bien marqué, et ça c'est cool. Bon, il va quand même pouvoir libérer des gens, hein, là. Il peut facilement taper ici et puis libérer, libérer des gens. Ou alors faire des esquives, pourquoi pas. Pourquoi cette esquive? Je ne vois pas l'intérêt, honnêtement. Oui, ouais, c'est beaucoup plus rentable de taper le péon là avant, ouais. D'autant qu'il y a du monde, donc autant pas se gêner. À sa place, j'aurais même tapé avec lui. Mais peut-être qu'il veut essayer de maximiser les chocs sur les 7 d'armure, mais... Ok, ça repousse. Il veut me mettre loin, hein. Il veut libérer son joueur le plus proche, qui peut encore des possibilités d'aller se coller. Il vient mettre de la zone de tac, très bien. Il y a lui qui peut aller se coller avec des GFI, mais c'est quand même tendu. Lui peut se coller sans GFI, donc faut commencer par ça. Ça a combien de mouvements? Ils ont 6 de mouvements, mes péons, ok. Ici, il va essayer de protéger un peu. Tu veux tenter les GFI? Je viens d'en faire 2, hein, donc il peut tout à fait en réussir. Hein. Ok, ici on va aller ramener de la force par là. Ici on se relève pour taper ce mec. Si on arrive à le foutre par terre, il va, sa bête sera à 4+ pour ses jets. Ce qui est quand même pas déconnant. Ici on pourrait blitzer lui. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de ramener un support là. Alors on pourrait avec un GFI. Ou alors on fait tomber lui. Et on peut ramener un support sans GFI, voire même blitzer. Ça me paraît plus intéressant, on y va. Ok, on pousse, ça suffit. On va poursuivre pour éviter qu'il fasse vienne trop foutre la merde. Ici, on va se coller à lui. Donc, ce qu'il faudrait... merde, non, pas ça. Ce qu'il faudrait, c'est que je le repousse comme ceci. Il faut qu'il tombe. Je peux pas le repousser loin, malheureusement. Donc on va le repousser comme ça. Ok, ça tombe, parfait. On l'envoie là. On poursuit pour se coller. On pourrait marquer tout de suite, hein, mais avant on va essayer de se débarrasser de la bête. Ah, on a qu'un dé, merde. Ah ouais, forcément, on a qu'un dé. Bon, on va quand même tenter.
On va ramener un peu de support. Je vais essayer de me débarrasser de des supports. Oh putain. Le double crâne, le grid qui coûte cher. On reste. On va pas se coller à la bête. Bon, ça sert à rien de lui enlever son support, hein, puisque de toute façon on va marquer, donc il y aura un réengagement, mais... Bon, on a réussi à contre-attaquer dans sa phase d'attaque, et ça c'est cool. C'était pas gagné. Alors, notre KO reste KO, mais on avait un remplaçant, lui son mort reste mort. Et ses KO restent KO, ok. Bon, il y a un tour, hein, donc ça va être une phase de bâche. Hop. Hop, on va essayer de protéger un peu nos blitzers. Je sais pas ce que tu fous derrière toi, mais tu vas te pointer. C'est pas là que je voulais me mettre. C'était là, voilà. Ok, faisons ça. Donc ça c'est cool, c'est très très cool. Et on a notre niveau avec Papillote Lepreux. 8 d'XP du coup. Grâce à sa mort, hein, enfin à la mort qu'il inflige à l'adversaire. Et avec un peu de bol, ses KO vont rester KO et il va être un peu en sous-nombre. Ok, on botte là, on se fait chier. Hop là. On regagne une relance, et ben dis donc. Après ça va nous servir à rien. Hein. Il nous reste qu'un tour, on a deux relances, donc ça nous sert à que dalle. Mais pour l'instant on fait des meilleurs jets. Bon, cela dit on a fait 1 et. Enfin on a fait 2, il a fait 1. Donc c'était pas non plus. On a autant de fame, donc du coup personne n'a de bonus. Hein. Ah quoi que si, j'avais 4 de fame moi. Ah, ouf, une armure qui claque ici. Un chaos sur vieux Krull, ok. Bon. On fera avec. Je vais juste regarder le jet là. Ah ouais, on a un de fame, je sais pas pourquoi. Il me semblait qu'on en avait 3 tous les deux, mais je me suis peut-être fourvoyé. Bon, la fame aide, hein, forcément. Après, il a une beaucoup plus grosse TV que moi, donc. On a une bonne gestion de TV avec nos péons. Nos péons sans bloqueur là. Attendez là seulement, même avec les cornes. Ramène au moins un pourri pour annuler parce que ce serait triste sinon. Ou alors tu blitz un set d'armure ici, ouais, tout à fait. Et ça repousse. Il aurait presque pu utiliser sa relance là-dessus hein, pour essayer d'assurer une blessure parce que là sur sa bête il va pas relancer, je pense, hein, c'est un solitaire. Il lui reste une relance qui lui sert à rien pour l'instant. Ou il veut tenter une passe à XP avec relance, ça se voit aussi. Hein. Alors la bête, Kipo, attention. Et ça va, l'armure tient. Bon bah sur cet engagement, on s'en est très bien tiré hein, pour le coup. Le pourri qui ramasse, qui tente une petite passe. Et ça passe. Et bien très bien. Un XP du coup. Bon bah nous on va avoir droit à un blitz. Il faut qu'il protège son Pestigore, sinon c'est lui que je vais blitzer, hein, y a pas photo. Bah c'est lui que je vais blitzer. Hop, entre les répulsions et les 9 d'armure, je vais pas user mon seul blitz sur un guerrier. Hein. Et c'était rentable, un petit KO. Parfait. Bah du coup on a rien d'autre à faire. Hein. Vérifie, non on est bien tour 8, c'est bon. Hop là. Mi-temps. Mi-temps, on a un KO qui revient de son côté, son mort reste mort et un KO qui revient. Ok, parfait. C'est cool.
C'est cool, on est bien du coup. Et on est en attaque en outre. Qui c'est qui reste dans les choux là? Madness, KO tout au début de la partie, qui dort, hein, voilà. On voit bien qu'on est dans sa coupe, hein. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Et chez lui, c'est Pourrigicide qui dort, enfin qui est mort, Tactamoche qui dort, et Jolabil, Tactamoche qui dort, Serge le Fourbe, Choucroute, Zidane, Puduc, Tripouille, Ne m'appelez pas Mad, et Bay. Lui, il est intelligent, hein, il sait que les joueurs qui s'appellent Mad sont poissards, donc du coup... Alors, on peut se tenter une intrépidité sur la bête. Ouais. Ou alors on essaye même pas de taper. Bon, déjà on va ramasser avec lui. On va protéger contre un blitz avec les péons. Voilà. Et ensuite ici. Donc il m'empêche de faire des dés en mettant ses supports. Hein, très bien. On pourrait éventuellement blitzer là du coup, peut-être avec lui plutôt. Et utiliser l'intrépidité pour frapper. On tape là, A2D avec l'intrépidité, là A2D avec l'intrépidité, là A2D avec l'intrépidité. Ça fait beaucoup de jets. Beaucoup de jets pour commencer, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça se tente. Moi je pense que ça se tente. Après tout, hein, on est là pour en découdre, hein. C'est des Bretonniens. On est des Bretonniens en face d'une orgueule. On peut bouger sur une case adjacente. Très bien. Ben écoutez, bougeons. Parfait, ici on va pouvoir se mettre sous la balle, c'est parfait. On va avancer un peu. Hop, gagner quelques cases avec nos péons. On va aller par là parce que c'est de ce côté-là que c'est le moins fort. Et c'est bon. Et on réceptionne la balle grâce à notre réception. Bien joué. Alors, ce qu'on pourrait faire du coup, c'est tout de suite mettre ici quelqu'un, blitzer. Pour essayer d'obtenir nos deux dés là sans même l'intrépidité, ce serait cool. Ouais, on repousse. On repousse et on poursuit du coup. Oh là là, dit-on, c'est la teuf. Oh la vache. Eh ben putain. Les péons sont en grande forme. Hein. L'intrépidité, on s'en fout, on a déjà 2 dés. Hop, on repousse par là et on poursuit pas. Ici du coup, l'intrépidité proc. On repousse par là et on poursuit pas, on veut nos renforts. On n'a pas fait un mort de la saison, il s'énerve. Allez, il me fait, ils sont craignos aujourd'hui, t'es gueule. L'intrépidité, on va essayer de la relancer celle-là. C'est raté. Ah, oh, du coup, crâne. Bon bah. Voilà, ça c'est la punition. Double intrépidité qui rate et du coup, pas de relance pour le crâne. Et ben tant pis. Bon, ça va, la balle est quand même plutôt safe. Il est bien en sous-nombre du coup, hein, 4 de moins. Et on n'a pas pris de... On aurait pu perdre Papillote hein, sur ce bloc face à la châtaigne. Il y avait moyen. Donc on va pas trop se plaindre. Ok, il blitz un set d'armure, ça se vaut. Hop, ça passe.
qu'il avance et qu'il faut qu'il me marque avec le pourri parce que sinon je vais aller lui rentrer dans le lard. Ou avec quelqu'un, mais il faut qu'il me marque avec quelqu'un sinon je vais aller lui rentrer dans le lard, hein, ça va me faire chier. Ici on va pas faire de miracle. Hein. Alors j'ai pas bougé la balle parce que j'étais, je suis pas pressé. Hein. Très très clairement. Hein. Ok, ici ça repousse, il va poursuivre je pense. Ouais. Donc ici on a un petit détachement qui est très très en infériorité numérique. Ce qui n'est pas très grave parce qu'ici on a un détachement qui est prêt à aller buter tout ce qui passe là. Hein. Donc on va mettre Azuraim dans le tas. Ici, bah Papillote tu vas te relever. Alors c'est juste dommage du coup que Chobiti avec son plongeon puisse pas l'engager, mais tant pis. On va aller rajouter un peu de force là. Enfin, surtout du marquage, hein, parce que la force, on va pas jouer là-dessus. Ici, on va mettre un petit soutien. Ici, on pourrait totalement s'infiltrer. Il me dit qu'il range bien ses joueurs. C'est vrai, hein. On dit pas le contraire. C'est très très artistique. J'avance toujours pas là-bas, il est toujours safe. Hein. On a bloc, oui, on a buté avec un mec qui avait bloc, donc on a bloc. Voilà. Bah vu qu'il est sonné, on peut aller s'occuper de foutre un peu la merde par là. Et du coup, on peut même se fendre de soutien sur ici. Hein. Donc là, on a plus 1 de force, donc on aurait 2 dés si l'intrépidité propre. Bon, on va quand même avancer un peu la balle. Aussi agressivement? Ouais, peut-être pas quand même. Voilà, on s'est par là. Quoique. On est quand même mieux protégé de ce côté. Non, on va la mettre là. Allez hop. On est pas là pour s'emmerder. Parce que ici, sur des esquives, il peut quand même faire des tours. Alors que là, c'est un peu plus safe. Ici, on va s'avancer là. Et là, on va tenter un bloc. Répulsion plus intrépidité. Moi, je dis. Ça se tente, hop. Et on va rester. On va rester. Pour avoir éventuellement Chobiti de libre pour aller faire des trucs après. Bon là on profite du fait qu'on est en surnombre, hein. On peut tout à fait cerner ces deux groupes de joueurs. Et en plus en avoir libre pour faire des trucs un peu plus funky. Je sais pas trop ce qu'il va faire là, honnêtement, là il doit avoir 2 dés, non même pas, là il y a un support donc il n'y a qu'un dé là. Là par contre il doit avoir 2 dés. Donc il peut faire un bloc à 2 dés là, un bloc à 2 dés là et un bloc à 2 dés là. Et après blitzer avec sa bête là et la foutre dans les pattes de mon mec éventuellement. C'est des choses qui se tentent. Ok, là ça tombe. Ah, l'armure qui passe, et c'est une sonnette, ok ça va. Magix 2.0 qui survit cette fois. Là un bloc à 2 dés là. Après sa bête sera disponible pour aller faire des trucs. Ok, ça repousse. À moins qu'il relance. Bon, il prend. Je pense qu'il aurait bien voulu me faire tomber parce que du coup il aurait pu aller blitzer là, mais ah il peut du coup. Non, il a une esquive. Non, il a une esquive là de toute façon. Non, je suis con. Non, de toute façon il peut pas aller blitzer là sauf à faire une esquive de fou. Ici, le gros débile qui passe, la bête qui peau. Ok. La présence perturbante. Quand il passe, intercepte ou attrape le ballon, ouais, non, ok, donc je peux pas vraiment faire de truc de fou. Là il tente un petit GFI pour aller se coller, très très bien.
Ici, bloquer un dé au cas où, ça passe. Bloquer un dé contre bloc, hein, c'était tendu, mais il me repousse. Ce qui veut dire que je suis disponible pour aller mettre du support. Ici, bloc à 2 dés, et ça tombe. Ok, donc là on va pouvoir cerner sa bête, la piétiner, faire tout ce qu'on veut, enfin si on arrive à la faire tomber. Très bien, on revient ici du coup. Alors là. Là il nous faudrait un petit support supplémentaire. On va le prendre. Hop. Ça repousse, on va l'envoyer par là sur, sur Chobiti et on colle la bête. Et je préférerais le repousser. Et rester. Oh la vache! Oh merde! Putain! C'est ouf! Oh là là, non mais sans déconner! 3 morts quoi! Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais autant de morts sur un match quoi. Alors, est-ce qu'on blitz avec lui? Ouais, comme ça on fait un gros paquet autour. Allez, c'est parti. On blitz avec Malice, la bête. L'intrépidité qui rate, on s'en fout, on a 2 dés. Par contre, elle tombe pas. Ouais, j'aimerais bien la faire tomber quand même. Ok, allez, Po. On repousse là. On poursuit. Et on peut écraser comme un connard. Bah, on a une corruption, il faut qu'elle serve. Hein. Un chaos, ça va. Ça m'aurait fait chier de la tuer. Et on va avancer avec la balle parce qu'il faut quand même faire des trucs. Alors du coup, bon, c'est pas très safe d'avancer avec la balle à notre côté. Ici il pourrait esquiver facilement, ici il pourrait faire un bloc et la libérer. Donc on va se contenter de rester là pour l'instant. Et ici... on va se mettre là. Ok. Il lui reste des relances, ouais, donc il peut relancer ça. Bon après je sais que Tactamo prendra pas mal que j'agresse quoi, hein, parce que ça fait partie de Blood Bowl l'agression quand même, si c'est un peu fumier dans le contexte. Oula, c'est quoi ça? Un blitz ici peut-être, ouais. Ok, sa peau. Malice qui prend une petite fessée. Ok, mais ça tient. Il lâche pas, il vient foutre ses guerriers dans mes pattes et tout. Hein. Ici, blitz à 2D. La parade. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Est-ce qu'il va défendre? Est-ce qu'il vient s'engager? Il vient s'engager. Ok. Je prends note. Alors, ici j'ai qu'un dé pour l'instant, ici j'ai qu'un dé. Bon,
Ce qu'on peut faire, c'est blitzer là. Même blitzer là. Ah, la répulsion, faut qu'elle passe. Oui, bon, ça me va. Voilà, là on libère ce support. Du coup, ici on peut taper. Ok. On va poursuivre. Du coup, ici on peut taper. Ah merde, il tombe pas. Ah, pour le coup, c'est chiant. Puis, on poursuit. Ici on peut retaper. Ça tombe toujours pas, mais on va l'éloigner de la balle, hein, c'est le concept. On poursuit. Alors là on a ce pourri qui peut aller jusque là, ce pestigore qui est marqué mais qui peut quand même aller loin. Bon, en même temps on peut se tirer assez aisément. Allez, c'est parti. On se tire avec Damned. Pas de regret. C'est parti. De toute façon, on n'allait pas faire des passes hein, sur ce match avec les présences perturbantes, c'est quand même trop tendu, même si on les a quand même bien sortis, les présences perturbantes. Alors, il blitz cela, ok. Pour se dégager, c'est pas con. Sauf qu'avec la parade, bah, il peut pas vraiment se dégager. Un KO, vieux Krug qui repart KO. Bon bah écoute, hein, t'auras fait le taf le temps que t'es resté sur le terrain, vieux Krug. Ouais, ça c'est l'astuce classique, hein, blitzer le mec tout seul pour pouvoir se dégager des zones de tact. Sauf que la parade, bah, ça fout un peu la merde. Et là normalement il a que des 1D parce qu'il y a au moins un anti-support qui peut pas annuler. Ah mais il peut taper sur celui-là, c'est pas con. C'est vrai que tous les autres sont marqués. En plus il la bloque, ça passe. Il lui reste une relance pour tenter une esquive et un blitz avec deux paquets. Ah non, il y a le cadavre qui l'empêche de passer. Et l'esquive qui rate, la relance j'imagine. Faut pas se permettre de perdre des joueurs complètement comme ça. Cette fois ça passe. Allez, on va se foutre là. Ici on se relève. Ouais, notre mec avec bloc, il est là, ici on a qu'un dé. Ici on pourra avoir 2 dés mais c'est quand même tendu. Hop, on va se poser par là. Le mec en armure qui court quoi. Son bruit. Allez, hop, on éloigne un petit peu. Parfait. Donc maintenant ici. Ici on a qu'un seul dé. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Le seul dé qu'on a c'est là quoi. On est parti. Hop. On va poursuivre. Hein. Alors on a du coup lui qui est libéré, qui peut aller soutenir un peu, c'est pas très très utile. Enfin, je compte marquer de toute façon, hein, donc vous me connaissez, je vais pas stall. Je le gride un peu en tapant parce que faut quand même faire un peu d'XP, mais. J'aurais peut-être dû même limite pousser lui en fait, parce que là. Allez. Parce que pourquoi pas.
Et on marque. J'ai un peu chié mes blocs là, j'aurais pu faire le dernier sans, si j'avais pas fait de la merde. Mais... je préférais agresser avec ma corruption plutôt que risquer de... risquer de comment ? De faire un bloc et que ça foire. Il récupère un KO, sans pourri, ça va. On se place en défense. Ouais bah il a plus grand chose hein. Donc on va garder cette compo. Il va pas pouvoir trop la cerner et en même temps il va pas pouvoir trop mettre de monde devant. Probablement que sa stratégie viable ce serait de se concentrer d'un côté pour faire un mur. Et avec les 7 de mouvement on a quand même moyen de se ramener assez vite s'il fait ça. Après on a quand même pas mal utilisé nos relances, donc on n'a pas eu tant de super jets que ça, mais c'est vrai qu'ils ont quand même plutôt bien passé. Hein. Et puis alors les jets de mort, 3 morts je crois que j'ai jamais fait ça quoi. Déjà un c'est rare, puis sur des 9 d'armure en plus. Ok, ça tombe comme de la merde. 2 remises en jeu par contre sur ce match, pourtant j'ai tiré au centre, hein, normalement c'était pas censé sortir. Il n'y a plus de bête à qui donner sa balle. Donc là, vu le sous-nombre qu'il est, certains m'auraient dit blinde la ligne pour qu'il ait pas 2D, machin et tout, mais je pouvais pas l'empêcher d'avoir 2D parce qu'il a 4 de force partout. Donc même si je mettais tout le monde sur la ligne, il suffisait qu'il mette 2 personnes pour faire des anti-supports et puis il avait 2D. Donc c'était pas forcément ultra intéressant quoi. Cela dit, là, avoir la pale directe avec son Pestigore bien avancé, ça peut nous mettre dans la merde. Enfin, dans la merde. Il peut réussir à marquer assez vite, quoi. Dans la merde, c'est peut-être un grand mot. Je vais pas... je vais pas dire que... voilà. Alors, cela dit, Mad est revenu, hein. Il est où, Mad? J'ai même pas fait attention où je l'ai mis. Ah, je l'ai peut-être laissé... c'est celui qui est en réserve, ouais. Madness est resté en réserve. Ici ça tombe. Oula. Ah, une blessure sur Azurheim. Qu'est-ce qui nous prend de beau? Perd un point en mouvement. Bon bah je suis désolé Azurheim, hein, mais t'as 0 XP, je vais pas sauver mon apothicaire pour ça. Un péon avec un point en mouvement, on y survivra. Alors ensuite, bah ensuite rien, il va fermer la cage peut-être. Ah non, il s'engage, il va m'offrir un bloc. Non, ah oui, il blitz, je suis con, il a pas blitzé. Oui, il blitz, effectivement. Effectivement, ce serait con de pas le faire. Et là, après, il va retourner fermer. Voilà. C'est plus logique déjà. Ok, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va là. On va foutre. Parce que pour le coup, on est en surnombre. On va mettre. Des péons dans les pattes de ces trucs là. Hop, un mec avec bloc collé par là. On cerne. On va prendre celui qui a esquive pour aller dans la mêlée. Sa peau. On poursuit bien sûr. Et on va garder quelqu'un derrière en cas de besoin. Voilà, hop là. 15 secondes, un tour. Bah, c'est parce qu'on est en surnombre, il n'y a pas à réfléchir. Hein. Il faut. Là pour le coup, maintenant qu'il a fait ses premiers blocs, il faut qu'on aille lui mettre de la force. Parce que là il va pouvoir taper, mais s'il tape il pourra pas avancer. Et en plus il a pas moyen d'avoir un 4 de force disponible pour aller blitzer le mec sans la balle. Ouh, Chobiti qui prend un petit KO. Ok. C'est pas trop gênant. Violocarius qui prend une petite tatane.
Donc là on a vieux Krug ou Magix qui va prendre. Alors si tape sur vieux Krug, on peut parier un KO. Voilà, ça tombe. Hop, et un KO. Et voilà, vieux Krug est KO. C'était prévisible. Du coup, il a pas tout à fait un trou, mais ça pourrait venir. Hein. Là, il peut blitzer à 2 dégâts et se barrer avec la balle, mine de rien. Ok, il préfère blitzer là pour libérer, libérer sa zone de tacle. Ça me va. Du coup, il est obligé de me libérer, sinon il reste en esquive. Et s'il avance, eh ben, il y aura du coup du soutien. Mais il préfère se recentrer un peu. Ok. Oh, il aurait même pu soutenir avec la balle hein, pour pouvoir prendre un bloc là. Hein. Ça se tentait. Hein. Ça s'est tendu par contre, parce que si jamais il se foirait, j'étais disponible pour venir foutre la merde sur l'arrière. Bon, du coup, je suis quand même disponible, mais un peu plus tendu. Un dé à bloc contre bloc là. Ouais. Ah ok, d'accord. Ouais, là par contre, là, il commence à être un peu désespéré, je pense, pour faire des trucs pareils. Il veut m'empêcher d'avoir des blocs, mais là c'est pareil, si ça tombe, enfin je peux complètement faire le tour, il n'y a pas de... Mais ok. Donc du coup ici on va annuler le support. Alors là, est-ce que j'ai suffisamment de mouvement? J'ai un paquet avec lui peut-être, non, deux paquets. Donc on va prendre le paquet. On va garder lui... Ouais, j'allais dire garder lui pour ramasser la balle, mais il n'ira pas très loin. On va faire le blitz avec lui. Ça passe. On va poursuivre. Ah. Ok, sonné. La balle qui tombe là, très très bien. Donc là du coup ce qu'on fait, c'est qu'on va ramener des gens dessus. Donc là on pourrait faire un bloc et un dé, mais c'est pas intéressant. Si là j'ai mis pas mal de zones de tag, si jamais je repousse sur la balle, je suis obligé de repousser sur la balle, il n'y a pas d'autre endroit. Et qu'il a un rebond favorable et pourrait se retrouver ici sans aucune zone, enfin donc on va s'arrêter là. Alors, ok, ici il me repousse. Enfin il me repousse, il me fout à terre hein, mais il m'éloigne je veux dire. Sortir la belle, ça nous a quand même mis un sacré coup d'air, hein, en termes de force. Il arrivait à avoir des 2D encore assez facilement. Parce que je suis plus si nombreux que ça, mine de rien. Mais globalement, ça va. Là, il a annulé le support, il va pouvoir avoir des 2D. Ok, sa peau. Attention, l'armure d'Amned, l'armure qui passe, et c'est un sonnet, ok. Il lui reste 2 tours, il faut qu'il mette une chèvre en position de marquer. Et qu'il ramasse avec un pourri. Il a l'équipe pour, hein. Là il faudrait qu'il dégage là, qu'il ramasse peut-être une esquive ici pour se tirer. Une esquive pas facile par contre. D'accord, non, il préfère jouer comme ça, ok. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, ça va être une victoire encore, et ça c'est cool.
Bah, continue son bloc et un des contre-blocs. Donc il a mis personne en position de marquer. Donc c'est mort, il pourra pas marquer son touchdown. Alors, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose de très fifou, hein. Dites c'est là. Esquiver ici pour éviter de prendre un bloc. Ouais. On va commencer par ça, voilà. On va rester... à peu près dans le coin, mais de toute façon il pourra plus marquer, donc... Hop. Bon, allez, on va poursuivre, on va lui laisser un jet, un bloc là. Hop. Donc il va pouvoir prendre un blitz et un bloc. Mais il faut qu'il ramène du renfort, mais il y a pas mal de gens libres. Et un bloc là aussi. Ok, il blitz celui qui a été collé. Pourquoi pas. Il a eu raison parce qu'il fallait qu'il les bloque pour ce premier blocage. Comme il disait dans le chat, hein, il s'est englué lui-même, il trouve qu'il a très mal joué. Mais c'est vrai qu'au début ça allait, mais les décos, je pense que ça l'a. Ça l'a quand même salement déconcentré et foutu dans le jus, quoi. Enfin, c'était quand même un beau match, hein. Il a eu quelques sales jets de dés, mais bon. Ah, ouais, bah, la dernière relance, c'est le dernier tour, de toute façon, voilà. Il a eu quelques sales jets de dés, mais globalement, je pense que c'était assez équilibré au niveau des jets, hein. Mis à part les armures où j'ai eu très très chanceux. Ok, une passe à XP. Ouais, petite passe à XP. Et ça a raté. Oh, cette espèce de passe de merde, c'est ouf. Ok, bon bah du coup c'est une victoire, c'est cool, ça fait bien plaisir. En plus on a eu des kills, donc ça va nous faire des points bonus normalement. On fait un petit 4, parfait. On gagne un de popularité, nickel. Pestigore, ici c'est Madness qui gagne le MVP. Hein, pour avoir passé tout le match sur le banc, il gagne le MVP quoi. C'est bien joué. Les stats. Ouais. Au niveau des SPP, on s'est quand même bien fait plaisir. Alors, regardons les jets. Ah, on a fait quand même pas mal de 1 par rapport aux 6. Par contre, on a fait beaucoup de 5. Pas mal de 3 aussi, comme on a fait quasiment que des jets à 2+, hein, entre les répulsions, les intrépidités et tout. C'était beaucoup de 2+. Bah, le 3, il a joué. Intrépidité qui a bien marché. Alors la répulsion, on a réussi 18 quoi. Esquive, bon bah voilà. On n'a pas fait des masses. Armure blessure, toujours compliqué. Les réveils de chaos qui n'ont pas trop marché, mais bon, c'était du 3+, quoi, hein. 3+ ou 4+, donc ça va. Ouais, réception. Ici, en face, réception c'est de la merde, le gros débile qui a globalement marché. Donc les deux qu'on foirait, c'était le moment où c'était un peu compliqué pour lui quoi. Les blessures, ouais, c'était un peu le drame. Les esquives, ça a foiré, mais c'était 5... Ouais, non, je crois que c'était beaucoup des esquives à 3+ qu'il a fait, donc il aurait dû en réussir un peu plus quand même. Au niveau des dés de blocage... Ouais, sa répartition de dés de blocage est pas mal, il a fait énormément de repoussés par contre. De notre côté, ouais, de notre côté ça a mieux marché quand même. On a fait un chouïa plus de double crâne, mais on avait pas mal de blocs. Et surtout on a fait du pot plutôt que du repoussé quoi. Et nos armures, enfin les passages d'armure, ça s'est quand même très très bien passé. Ok, on va aller faire les niveaux.
Et du coup, c'était le dernier match, si je ne me gourre pas, de cette poule. On a juste Papillote qui a pris un niveau. Azurheim, si jamais tu vois ce match, tu me diras, mais je pense qu'on va te jeter pour te reprendre. Hein. On a carrément les finances, donc... Alors, Papillote qui prend son niveau et qui fait un 3 tout bidon. Ok, très très bien. Avec un 3, qu'est-ce que tu peux prendre? Dextérité, on en a déjà une frappe précise éventuellement pour avoir un mec capable de botter. Arracher le ballon, puisque c'est toujours les blitzers qui vont blitzer la balle, ouais, bof. Une esquive, hein, ça reste un must-have pour avoir un blodgeur. Ou alors on commence à rendre quelqu'un tireur, avec une passe. Passe pour qu'on commence à avoir quelqu'un capable de faire pilier et de passer devant. Ouais. Ouais. Ou un autre plongeon, ou bon, ouais, bon, ça peut être pas mal, hein. Un bon pour pouvoir bloquer plus facilement avec le blitzer, ça peut être cool. Si tu vois ce match, n'hésite pas à me dire, Papillote, ce qui te ferait plaisir. Est-ce que tu veux être plutôt agile, est-ce que tu veux enchaîner les blocs, du tac plongeon, pourquoi pas. Enfin, il y a moyen de faire des trucs fun, hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses de débloquer quand même, les blitzers. Un petit tacle, et on n'a pas du tout de tacle aussi, ça peut être intéressant. Si tu passes dans le coin, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et tous les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce match. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.